Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto qui est le scrap. Je l'ai découvert il n'y a pas quelques temps et j'ai trop kiffé. Donc au fait là je vais continuer au fait à faire les pages au fait de mon album. Et au fait j'ai choisi Game of Thrones. Donc je vais utiliser que la page de devant et la page de derrière vu que ben, l'autre page au fait va être autre chose. Compliqué à dire, mais on comprend mieux. Donc au fait j'ai dessiné au fait le signe Game of Thrones sur un autocollant et la tête du loup, parce que dans Game of Thrones il y a un loup, si vous avez, bah, il y a plusieurs loups, même il y en a trois je crois, et qui sont avec les frères Stark, c'est ça. Donc voilà, donc je les ai collés dessus tout simplement, et là en fait le scotch va me servir pour la photo, parce qu'en fait j'ai une photo à mettre au niveau de là. J'ai pris du papier noir, j'ai pris au fait la dimension en fait d'un bâton de glace tout simplement, parce qu'on va faire un macropage par la suite. Et on va juste faire une pochette. Donc au départ je l'ai fait avec du scotch, donc le même scotch que je me suis servi pour la démarcation de la photo. Sauf que ça tenait pas, donc j'ai rajouté de la colle. Donc quand c'est comme ça, prenez-le en stick, ouais. Parce que liquide c'est pas évident. Donc après j'ai rajouté quelques fleurs en fait sur le côté. Donc ça c'est des trucs à ongles que vous mettez sur vos ongles et ça tient énormément en fait sur papier. Et j'ai rajouté une plume que j'ai collée au fait avec le scotch. Tout simplement. Donc j'ai rajouté au fait un sparadrap plus le scotch au-dessus. Après j'ai mis mon truc à chauffer. Donc en fait je l'ai mis avant. Je l'ai mis tout au début. Parce que ça met longtemps à chauffer. Ça fait ouais, ça met au moins une ou deux heures en fait à chauffer. Donc tant que j'étais en train de faire ça, ben, je l'ai fait. Donc j'ai gravé et avec mon autre outil qui me sert à graver, à percer, à faire plein de choses, au fait j'ai percé, au fait j'ai fait un trou pour mettre une ficelle. Et j'ai fait un pompon, tout simplement, que j'ai oublié de filmer. Donc voilà au fait le rendu. Donc... Et je crois qu'on me le voit mettre dans le livret, je suis pas sûre. Ouais, j'ai même galéré, je pense. Donc je vous laisse avec les images. Likez, commentez, abonnez-vous. N'hésitez pas et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, à un prochain tuto.